nous sommes bien ravis de vous accueillir. Vous êtes 45 en ligne. Vous allez donc assister au webinaire suivant, le design actif au service de la pratique sportive. Quels enjeux pour les quartiers prioritaires? Ce temps vous est proposé par l'IREV, qui est le centre de ressources de la politique de la ville des Hauts-de-France. Je suis Ingrid Dequin, donc je suis responsable du pôle prévention des discriminations à l'IREV et je suis accompagnée d'Inès Tavernier qui travaille à nos côtés et qui a aussi conçu l'ensemble de ce travail, de ces webinaires qui vous seront proposés et qui va aussi animer ce webinaire. Donc, ce travail s'inscrit dans un cycle de qualification intitulé « L'urbanisme égalitaire en quartier prioritaire, quelle perspective pardon, pour promouvoir l'activité physique de toutes et tous ». Donc, deux autres temps complémentaires vous seront présentés tout à l'heure par Inès, mais vous pouvez aussi consulter donc, le programme qui va être joint dans le chat pour avoir connaissance des temps qui seront complémentaires. Donc nous nous sommes en effet mobilisés sur les enjeux de l'urbanisme égalitaire afin de réfléchir ensemble sur la manière dont nous pouvons accompagner les professionnels, les élus, les habitants à penser, modeler, expérimenter la ville de demain, et cela inclut aussi de penser la spécificité des quartiers prioritaires comme des espaces d'innovation, de ressources en cours de mutation pour beaucoup au regard des projets, des nombreux projets de renouvellement urbain. Donc, cette réflexion que beaucoup de territoires ont entamée s'inscrit aussi dans un double contexte, celui des futurs contrats de ville, en phase avec des quartiers sources d'émancipation, plus en phase aussi avec les enjeux de transition écologique et aussi le contexte sanitaire qui a aussi, rappelons-nous, bouleversé notre rapport à l'espace. Il a aussi contraint nos déplacements, nos mobilités et il a influé aussi sur notre capacité à nous mouvoir. Donc, qu'il s'agisse de l'utilisation des transports en commun, du vélo ou de la pratique sportive, il émerge aujourd'hui de nombreux questionnements quant à l'état de santé des Français et Françaises, en particulier chez les jeunes. Donc, peut-être pour rappeler quelques chiffres, selon la dernière publication de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 95% de la population est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d'activité physique. Ce chiffre vient confirmer une tendance assez documentée. En 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire, c'est-à-dire leur endurance à l'effort, selon la Fédération française de cardiologie. Un autre chiffre, les enfants et les ados passent en moyenne entre 3 et 4 heures par jour devant un écran, et celui-ci peut être doublé le week-end. Chez les jeunes, entre 6 et 17 ans, 50,7% des garçons et 33,3% des filles atteignent les recommandations de 60 minutes d'activité physique par jour. Et ces deux indicateurs cumulés sont globalement alarmants, plus alarmants d'ailleurs lorsque le niveau socio-économique des ménages est plus faible. Et ces différences ont tendance à démarrer donc dès l'enfance et de manière plus marquée chez les filles. Donc, au regard de ces constats, la promotion de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité s'imposent comme des enjeux de santé publique qui nécessitent notamment la création d'environnements favorables à la santé. Et dans cette perspective, la prise en compte du genre s'avère indispensable. L'approche donc de l'IREV consiste à interroger les leviers d'une approche inclusive à travers l'aménagement des cours d'école, des espaces urbains, des aires sportives de proximité en accès libre, des aires ludosportives, des espaces naturels qui visent aussi à créer une culture commune favorable à l'activité à tous les âges de la vie. Notre questionnement, qui va aussi traverser ces trois webinaires, notamment celui-ci, cette approche peut-elle permettre d'accompagner les populations les plus vulnérables à entretenir leur capital santé, à être acteurs-actrices de leur mobilité, dans un écosystème aussi qui est favorable aux transitions écologiques? Et sous quelles conditions?
Aussi, on va s'interroger sur quels sont aujourd'hui les exemples, les initiatives inspirantes localement, notamment en Hauts-de-France, et sont-elles essaimables? Donc, à l'heure où de nombreuses dynamiques émergent, comme la ville à hauteur d'enfant ou la ville du quart d'heure, ben, nous allons vous proposer de parler du design actif, approche qui utilise du coup l'architecture et l'urbanisme sous différentes formes pour donner envie de bouger davantage au quotidien de manière libre et spontanée. Voilà, donc tout ça, ça implique aussi de repenser les espaces et la manière dont on peut concevoir aussi les espaces sportifs, notamment en accès libre, notamment les matériaux aussi utilisés. Et je vais donc laisser Inès Tavernier qui va vous présenter le déroulé du programme. Bonjour. Alors, rapidement, du coup, comme on est sur un format assez court, il n'y aura pas de temps d'échange, en tout cas, ce n'est pas prévu. Par contre, on vous encourage à poser toutes vos questions dans le chat et on y répondra a posteriori. D'ici quelques jours, on vous enverra un mail récap avec notamment le replay de la vidéo, mais également les éléments de réponse à vos questions. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Et donc on va avoir l'occasion d'écouter Eugénie Requebuche, qui est directrice d'études projets et territoires à l'Agence d'urbanisme et de développement de Saint-Omer, ainsi qu'Alexandre Picard pour la ville de Rheims, qui nous feront du coup part de leur retour d'expérience. Mais tout de suite, on va pouvoir écouter Anne Vial, qui est directrice de projet quartier durable et cœur de ville, ainsi que Cédric Boussuge, directeur de projet mobilité piétonne et espace public, qui sont tous les deux au CEREMA. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le CEREMA donc, dispose d'une expertise forte pour ce qui est des transitions écologiques, des modes actifs et de l'aménagement des espaces publics. Ce qui fait qu'ils ont une position stratégique pour outiller les territoires sur le concept de design actif. Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, le CEREMA a d'ailleurs réalisé une série de 4 webinaires sur ces sujets. Le lien sera dans le chat. Et ils étaient également présents à la première rencontre internationale du design actif à la Cité du design de Saint-Étienne en 2022. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir nous présenter ces principes clés, ceux du design actif, et surtout les enjeux qui sous-tendent ce concept en matière notamment d'activité physique, d'urbanisme et de transition écologique. Donc je vous laisse la parole tout de suite. Parler un petit peu de ce qui vient de vous être présenté, des grands sujets, des grands éléments de définition, puis un peu de notre vision issue justement de ces webinaires qui ont été évoqués. Je vais vous C'est pas le bon truc. Si vous voyez la bonne. Voilà, première diapo. Alors, hop, est-ce que c'est bon comme ça, Cédric ? On voit bien ? Impeccable. Donc, voilà. Donc, on va vous donner un petit aperçu des éléments de définition et puis de retour d'expérience. Alors, nous, on ne va pas se situer uniquement en Hauts-de-France, puisque notre établissement public, je vais tout de suite vous faire un petit zoom. Travaille sur l'ensemble du territoire, on développe des activités de recherche, d'innovation et on accompagne surtout les territoires et les partenaires. On est un acteur neutre et on développe des outils, des méthodes et on répond aux différentes échelles territoriales sur le sujet, évidemment, justement, du climat, qui est un peu notre point aujourd'hui central de réflexion en lien avec nos actions. Et on a 6 domaines d'activité qui peuvent être assez intégrateurs et qui, évidemment, se complètent les uns les autres en fonction de nos interventions, avec aussi un ancrage sur les différents territoires, dont en France, avec une direction territoriale basée à Lille, mais aussi 2 agences à Compiègne et à Saint-Quentin. Et donc, le sujet dont on va vous parler, il est autour du domaine d'activité d'expertise de l'ingénierie territoriale et du domaine des mobilités, mais aussi de celui de l'environnement. On va voir que c'est un sujet très transversal et c'est ce qui fait aussi la force du CEREMA que de pouvoir travailler en transversalité sur ce type de sujet. Donc, très rapidement, revenir un peu sur les attentes qu'on perçoit, nous, sur les territoires, sur les espaces publics à l'échelle de l'aménagement, notamment issus du post-Covid, mais aujourd'hui, plus globalement, par rapport à la question des transitions qui voit le jour.
On a le sujet d'espace public plus marchable. Cédric y reviendra, mais pour avoir plus de place pour marcher, mais aussi pour faire du vélo, mais aussi pour se rencontrer, pour avoir des espaces de sociabilisation, de rencontres, mais aussi plus d'espaces de nature, des espaces plus proches. La ville du quart d'heure a été évoquée. Et retrouver les sols, gérer l'eau, faire du sport, jouer, ce sont tous ces sujets qu'on voit apparaître dans l'espace public en lien avec le sujet de justement comment on va avoir plus d'activités et comment le design actif peut contribuer à répondre à ces attentes. Donc, pourquoi on mobilise le design actif? Comme ça a été évoqué, nous, on y est entré par le programme Action Cœur de Ville et plus particulièrement le partenariat qu'a eu l'ANCT qui pilote ce programme avec Paris 2024 pour travailler sur ce sujet-là. Mais plus globalement, nous, au CEREMA, on y travaillait quelque part déjà un peu par rapport à nos actions sur l'espace public, par rapport au sujet de voir comment les usages viennent activer l'espace public, comment on va aménager de manière plus frugale, comment on va travailler sur l'accessibilité, comment on va encourager des projets avec une diversité de publics. Donc, ce qui fait que la définition sur le fait que le design actif consiste à aménager l'espace public afin de rapprocher l'activité physique et sportive de ceux qui en sont le plus éloignés, qui est un peu la définition de base, un peu consensuelle maintenant de ce sujet-là. En fait, nous, on la voit avec une acception un peu plus large autour de ces autres sujets sur lesquels on est mobilisé. Et on est bien convaincu que sur la manière que vous avez d'accompagner ces territoires, on n'est jamais sur des approches qui sont uniquement une réponse avec un seul objectif. Et donc, par rapport au retour d'expérience et à ce travail-là, on a pu un peu élargir la focale. Donc, les 4 webinaires qui ont été mentionnés, c'est un petit peu les thématiques sur lesquelles on a pu travailler lors de ces webinaires, mais en fait, c'était un peu des portes d'entrée, à savoir les abords et les cours d'école, le sujet des trajets, la question du temporaire, du transitoire, du reproductible, la question de la sobriété et de la pérennité dans les aménagements. C'était des points de départ de discussions, d'échanges qu'on a pu avoir avec les collectivités issues du programme Action Cœur de Ville dans ces webinaires, mais plus globalement aussi avec les différents intervenants qui ont pu participer, et nous par rapport aussi à ce qu'on a pu raconter au CEREMA. Et donc vous pouvez retrouver des publications et un article, on a fait des petits 4 pages et on aura l'occasion encore de valoriser ces travaux puisqu'on a beaucoup de matière à valoriser et aujourd'hui on n'en est qu'au début. Je vais te laisser la parole Cédric pour la suite et puis je compléterai. Merci. Effectivement, on a 2 entrées, une entrée un peu espace public sur les trajets et les abords d'équipement et une autre entrée dont on parlera Anne après sur le côté projet d'aménagement, projet urbain. Et l'enjeu est d'agir à la fois sur autour des équipements, sur les parvis, autour des écoles, mais aussi beaucoup sur les trajets pour à la fois faire changer les comportements, mais de manière positive en donnant envie d'aller à pied ou à vélo. Donc on a beaucoup de recommandations sur les aménagements cyclables, sur les aménagements piétons et comment on utilise ce côté design actif en fait pour agir un peu sur différentes catégories d'usagers. On parle beaucoup des jeunes et des enfants avec les trajets scolaires, mais il y a un enjeu à travailler sur les trajets des seniors parce que ce sont les gens qui marchent le plus en ville, les enfants et les seniors. Et il faut qu'ils aient encore envie de parcourir la ville à pied, sachant qu'il y a pas mal de freins à la marche actuellement qui sont de plus en plus visibles. Mais aussi de travailler par liaison entre polarité et entre espace et pôle générateur pour les piétons. Ça peut être un parc, ça peut être une école, ça peut être un équipement, ça peut être juste un arrêt de transport en commun. Et du coup, en travaillant à bord par abord, petit à petit on arrive à constituer des trajets qui sont de plus en plus faciles et de plus en plus accessibles aussi, j'y reviendrai. Et on voit pas mal de villes aussi qui utilisent le design actif, mais aussi tous les travaux sur les itinéraires piétons et cyclistes en lien avec le tourisme et les commerces de centre-ville,
on voit se développer voilà, des parcours touristiques qui passent dans les centres, des parcours pour en fait, relier les commerces à des zones d'habitat. Et la question de l'ambiance urbaine oui, qu'on a placée là, en fait, l'enjeu, c'est à la fois de donner envie, de rendre plus adaptés les espaces piétons, mais en même temps de donner envie de parcourir les espaces, c'est-à-dire d'y passer du temps. Et du coup, sur l'exemple d'après, Anne, voilà, l'entrée la plus facile et la plus qu'on voit énormément en ce moment, c'est de travailler sur les abords des écoles. C'est quelque chose voilà, qu'on va développer dans beaucoup de villes, dans beaucoup de quartiers différents. Finalement, peu importe le quartier, il y a toujours en fait des possibilités d'agir devant les écoles, soit en étendant le parvis, soit en piétonnisant la rue de manière temporaire ou pérenne, soit en retravaillant les accès et les itinéraires. Et parce que l'enjeu, il est à la fois que les enfants puissent et leurs parents puissent venir à pied en vélo assez facilement, mais en même temps de recréer cet espace de sociabilité dont tu as parlé, Anne, tout à l'heure, en disant bah, par l'espace public en fait, qu'on redécouvre la ville, que c'est un des premiers lieux de sociabilisation quand on arrive dans un quartier, c'est l'école en général. Voilà. Et en fait, on insiste sur l'importance d'expérimenter en fait sur ces espaces-là parce que c'est assez facile de dire on teste un aménagement et bon là l'exemple à Lyon ou à Courbevoie c'est juste du marquage au sol, c'est juste de montrer mais en fait on fait des petites actions et puis ensuite suivant les recueils des besoins, ben on pourra aller plus loin, on pourra réimpliquer les usagers. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique et qui peut se faire sur tout type d'école dans tout quartier. Et le deuxième point que je vous disais, c'était de travailler sur les itinéraires. Il faut savoir que, alors, en termes d'accidentologie, par exemple, d'accidentologie piétonne, mais ça ne sera pas forcément devant les écoles qu'on a le plus grand, qui est le lieu le plus accidentogène, mais c'est souvent sur les trajets qui mènent vers l'école. C'est souvent sur le trajet de loisirs. Et donc, il y a un intérêt à travailler sur les trajets, à faire qu'ils soient sécurisés et qu'ils soient accessibles. Parce qu'il y a un enjeu pour que ce soit des trajets pour tous, ben, il faut que ce soit accessible tout le long. Et il faut travailler sur la continuité. C'est-à-dire que le passage piéton soit réglementaire, qu'on ait bien les bandes d'éveil des vigilances, qu'on ait bien des itinéraires compréhensibles, lisibles. Il y a un vrai enjeu en fait, à faire que la ville soit plus facile pour tout le monde. Et si elle est plus facile pour les personnes en situation de handicap, en fait, elle le sera plus facile pour tout le monde, plus marchable. Mais ça n'empêche pas justement de travailler sur des petits espaces ludiques, loisirs, tout le long. Donc l'exemple que vous avez vu là, qui est à Lille, de vraiment, vraiment, est assez intéressant parce que du coup, ils ont travaillé sur un trajet scolaire entre l'école et des équipements, parce que c'est quelque chose d'assez facile à faire. L'exemple à gauche de Brest, c'est un peu pareil, sur les temps de parcours, c'est assez facile à faire. Mais il faut, j'insiste sur le fait qu'il faut gérer la continuité de ces itinéraires-là. Et ça peut être du marquage ou bien sûr du travail sur des mobiliers urbains comme c'est le cas à Toulouse, à Bordeaux. Enfin, c'est pas mal, Toulouse-Bordeaux, mais je pensais là à Mulhouse hein, qui était mise en avant dans une des fiches du CEREMA. Je fais un petit zoom sur un exemple que vous connaissez peut-être à Villeneuve-d'Ascq entre des équipements et puis le métro. C'est un parcours en sorte de fil d'Ariane avec des carrés bleus qui constituent en fait tout le. Un parcours en fait, qui permet surtout au moment où ça a été fait à Lille, capitale européenne de la culture, c'était pour relier le métro au musée, à la Maison Folie. Mais par contre, aujourd'hui, c'est réutilisé plutôt pour relier vers le métro. Et ça montre un exemple en fait, assez simple d'un itinéraire qui peut être utilisé pour les gens qui sont dans le quartier, mais aussi des gens extérieurs pour indiquer hyper facilement le métro. Par contre, ça pose des questions de pérennité. Et ça a été exploré dans le cadre d'un groupe de travail sur accessibilité PMR et itinéraire jalonné. Comment faire qu'on reste accessible sur ces itinéraires, sur les aires piétonnes, et dans les démarches d'urbanisme tactique. Parce qu'il ne faut pas que l'urbanisme tactique vienne dégrader le niveau d'accessibilité des rues. Et ça, j'insiste pas mal. Voilà, il faut que ça donne envie, il faut que ça soit plus lisible, mais voilà, faut pas créer des problèmes où il n'y en a pas forcément.
Alors, je reprends la parole pour vous, pour maintenant vous montrer une autre partie de ce qu'on a pu voir dans les webinaires avec les échanges avec les collectivités, avec les bureaux d'études, des concepteurs. C'est aussi de se dire que l'utilisation du design actif, elle peut préfigurer des projets d'aménagement, c'est-à-dire préfigurer sur les sujets de conception, préfigurer en utilisant justement le design actif ou l'urbanisme tactique aussi dans un mode plus transitoire, mais aussi montrer comment il peut y avoir d'autres usages pour donner envie justement de pratiquer cet espace public et donc d'encourager l'activité physique, qui est quand même le sujet du jour, et notamment dans des quartiers où c'est peut-être plus compliqué a priori. Donc, ce qu'on a pu donner à voir dans les différents retours d'expérience, c'est évidemment le sujet du test et de l'expérimentation, comment on implique les usagers, comment on les met à contribution dans la conception ou dans la réalisation, par exemple, de mobilier. Cédric a montré des illustrations tout à l'heure où il y avait beaucoup de marquages au sol, mais il y a aussi l'utilisation du mobilier, donc comment on les fait participer. Mais ce qu'on a pu voir aussi lors de nos retours d'expérience, c'était aussi de se dire parfois ces mobiliers, ils sont vus comme des espaces qui fonctionnent à un moment donné, mais qu'est-ce que ça donne sur le temps long? Alors parfois, l'expérimentation, elle peut être vraiment inscrite dans une durée très courte et c'est supprimé, mais parfois les objets s'installent et se posent la question de qu'est-ce qu'on en fait ou est-ce que ça ne gêne pas sur les questions de gestion, comme ça a pu être le cas par exemple sur l'exemple à Marseille. Ce sont deux exemples là qu'on vous montre qui sont dans des quartiers prioritaires de la ville. Alors plutôt en centre-ville là, à Marseille et ETC, c'est à Roubaix ou à Tourcoing, je ne sais plus, Cédric, qui sont intervenus sur un quartier aussi. Mais l'idée, c'était de se dire comment on mobilise, mais comment après on entretient le dispositif ou comment on reproduit les choses ailleurs. Ça permet quand même d'être consulté et de faire partie du jeu sur des objets très concrets et de aussi d'intéresser un public diversifié qui ne sont pas forcément des publics qui sont appréhendables facilement dans des formats plus classiques que peuvent être des réunions publiques, sur le temps du projet d'aménagement ou sur le temps du projet tout court de la ville qui se transforme. On a le sujet justement de la programmation, donc ça c'est plutôt dans le cadre de projets d'aménagement d'espace public ou de projets d'aménagement plus large. C'est le cas à Montreuil qui a beaucoup fait de tests et d'expérimentation pour enlever la voiture de l'espace public et proposer d'autres formes d'usage, et ce qui a permis d'inciter les habitants à se dire finalement les usages qu'on nous donne à voir, qui ne sont pas forcément ceux qui vont avoir lieu dans le projet définitif, mais qui peuvent préfigurer, on les apprécie peut-être plus et on commence à se dire qu'on peut peut-être faire autre chose sur l'espace public et y participer. Sur le quartier Saint-Roch à Saint-Étienne, donc là aussi on est dans un quartier PV, on voit que l'échelle de l'espace public du projet du quartier, on peut se dire que on fait autre chose dans la rue que circuler. Cédric vous a pas montré les petites images des zones de rencontre qu'on voit qu'en France, on peut pas forcément jouer dans la rue et pourtant en fait on peut le faire et comment on s'approprie le projet. Il y a aussi la question de l'animation sur le temps long, notamment sur des projets d'aménagement qui peuvent mettre vraiment plusieurs années à s'installer et où les habitants, ils se demandent un petit peu ce qui s'y fait. Et donc, ce passage, ces tests avant passage à l'échelle, ça peut aussi donner envie de le faire et de se dire à quelle échelle on intervient et comment on mobilise les enfants, qui sont le public dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi les adolescents, qui sont parfois un public plus difficile, par exemple, à mobiliser, comment on leur donne envie d'investir les lieux. Un petit sujet sur la santé et le lien avec les quartiers politiques de la ville, puisque c'est aussi ce qui nous réunit aujourd'hui. La mobilisation du design actif, ça permet aussi d'agir sur les questions de santé. On sait bien que, comme les chiffres l'ont rappelé dans l'introduction, il y a un vrai enjeu de santé publique pour avoir plus de mobilité
sur les lieux, se bouger dans l'espace public, mais aussi la question de la pollution de l'air, la question de l'activité physique, la question du bruit. Et je profite pour faire un petit aparté pour vous parler de la démarche quartier résilient que vous avez peut-être entendu parler, qui démarre avec l'ANRU pour améliorer la résilience et travailler sur les vulnérabilités des quartiers ANRU. Et donc, de se dire comment, sur ces sujets de santé, mais plus globalement sur ces sujets de résilience dans ces quartiers ANRU, comment on peut aller un petit peu plus loin, comment on peut pousser les curseurs et comment on peut essayer, à travers des projets qui sont à des stades de maturité parfois différents, engager et montrer que c'est possible en testant, mais aussi en montrant des opérations qui après s'installent dans la durée sur notamment les questions, par exemple, d'agriculture urbaine, qui peuvent être une des réponses pour que les gens sortent, fassent aille jusqu'à des endroits où ils peuvent ramasser des fruits et après manger plus sainement. Enfin, voilà, je fais un petit truc très simple, mais voilà, ça permet aussi de montrer ça. Cédric, je te laisse la parole pour parler de l'exemple de Grenoble. Effectivement, à Grenoble, il y a une petite équipe dans la ville de Grenoble sur la participation citoyenne qui travaille avec des petites actions un peu coup de poing sur pour revitaliser des espaces publics. Et il y a pas mal d'actions, dont des chantiers ouverts publics ou d'autres qui s'appellent Ludic Streets. Et l'idée, c'est avec des habitants de créer des mobiliers urbains co-construits, de redynamiser un espace. Et ils interviennent beaucoup dans des quartiers en politique de la ville ou en tout cas des quartiers d'habitat social parce que ça permet en fait de... pas forcément en lien avec le projet de rénovation urbaine, en fait, d'impliquer des habitants dans des petites actions qui sont souvent à l'origine, dont les habitants sont à l'origine. En fait. Ça peut être un banc sur une place, ça peut être une table de pique-nique, ça peut être un espace végétalisé à un endroit. Et voilà, ils interviennent sur des temps très courts. Et je trouve ça assez intéressant. Et l'exemple de la Marelle, il est assez connu, c'est qu'ils ont dessiné une Marelle pour refaire jouer des gens à côté d'un espace, d'un équipement. Et en fait, petit à petit, ils l'ont transformé dans un vrai marquage au sol pour rediriger les gens vers l'entrée de la maison du quartier. Et ce qui est marrant avec la vidéo de la Marelle, c'est qu'on voit que ce ne sont pas que les enfants qui jouent à la Marelle. Et donc un dernier exemple qui est celui de la Courrouze à Rennes. Alors c'est un écoquartier qui est donc à Rennes, qui est en transformation depuis un certain nombre d'années. Donc là on est sur le temps long de l'aménagement. Et voilà, ils ont vraiment tout un travail de concertation, de participation citoyenne qui va au-delà des sujets hein, design actif dont on parle là, mais qui montre aussi qu'on investit des lieux et on fait participer sur le terrain, sur des actions très concrètes qui s'appellent gagner du terrain et qui montrent que voilà, ce qui est testé, et notamment la petite image de la cabane sur la droite, ce sont des tests qui ont pu être faits lors de ces journées spécifiques gagner du terrain et qui après sont réinvestis dans la programmation définitive des espaces publics avec des usages qui n'étaient pas forcément imaginés par les concepteurs, voilà, quels qu'ils soient sur ce projet-là, mais qui aujourd'hui vraiment voient le jour dans la programmation finale. Et il y a des choses qui se passent et que les habitants veulent voir se pérenniser. Et donc là, il se trouve que dans ce projet-là, c'est possible, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ici, y a, voilà, ça arrive. Voilà, donc on vous montre juste quelques petites ressources que vous pouvez retrouver en ligne, puisqu'on a voilà, pas mal de ressources sur ces sujets, modes actifs, marches, comme a évoqué Cédric, mais aussi aménagement, usage, et puis les questions de nature en ville, de changement climatique. On n'a pas le temps de tout aborder, mais c'est pour vous montrer voilà, que tous ces travaux et ces accompagnements, ils s'articulent autour de nos autres travaux et des accompagnements qu'on peut avoir sur les territoires. Voilà, on est à votre disposition si vous avez des questions. Et on vous remercie. On remercie aussi l'IREV de nous avoir sollicité pour cette rencontre. Ah, merci beaucoup, Madame Bial et Monsieur Boussuche, pour votre intervention. Le temps passe très vite, donc je vais sans plus tarder introduire la prochaine intervention. Juste un petit élément que j'ai oublié de mentionner en introduction,
c'est la présence de Nicolas Penin, sociologue et professeur à l'Université d'Artois, qui reviendra en fin de webinaire sur tous les éléments qui ont été abordés pour nous proposer quelques éléments de synthèse et de perspective pour la suite. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer à l'intervention d'Eugénie Roquebuche, qui est, comme je le disais tout à l'heure, directrice d'études projets et territoires à l'Agence d'urbanisme et de développement de Saint-Omer. En fait, dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, qui a été lancé en prévision des Jeux Olympiques et également dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. 6 villes pilotes ont été retenues pour expérimenter le design actif sur leur territoire. Et avoir le retour d'une de ces villes pilotes nous paraissait essentiel, à la fois pour comprendre les expérimentations qui sont en cours sur ces territoires, du point de vue de la genèse, des freins ou des facteurs facilitants, toute la mise en place de ces projets, mais aussi en termes de perspectives pour la suite, pour développer l'activité physique et notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc voilà, avoir le retour d'une de ces villes nous permet aussi de rendre compte des possibilités d'essaimage et des méthodes qui sont mobilisées dans ces projets. Donc je laisse la parole à Madame Roquebuche pour la suite. Merci. Alors, du coup, vous avez en effet donné un peu le contexte, et c'est finalement le même contexte que le CEREMA a évoqué, hein, sur finalement, c'est le même moment qu'on a engagé un peu nos réflexions sur ce sujet-là. Alors, j'essaie juste de passer le diapo, parce que je n'ai pas l'habitude avec ce logiciel. Voilà. Alors, juste pour localiser peut-être un peu le projet, et notamment montrer aussi ce qui se superpose un petit peu quand on parle de design actif. Donc, en effet, là, l'intervention que je fais, elle s'inscrit plutôt dans le cadre d'Action Cœur de Ville. Mais du coup, là, je vous ai remis la cartographie avec le périmètre d'Action Cœur de Ville, donc l'ORT. En rose, vous avez le périmètre du quartier politique de la ville, qui est également en rue. Et je vous ai mis aussi, finalement, le périmètre du site patrimonial remarquable, parce que justement, quand on regarde design actif, souvent, on nous montre des images très colorées, etc. Et c'est vrai que quand on est dans des villes patrimoniales, il faut apporter un petit peu de nuance à tout ça. Donc, nous, ça a été un peu notre cas. Ce qu'on a aussi en rouge, colorié en rouge, on va dire, c'est le réaménagement des espaces publics qui est prévu dans le cadre de l'ANRU sur le QPV. Et puis, les petits points que j'ai mis, c'est un peu les projets que je vais vous évoquer au fur et à mesure, c'est pour vous aider à vous repérer. Donc, le tracé rouge, hein, qui est représenté par numéro 4, c'est justement le travail d'un parcours qui a été fait avec la NCT dans le cadre du partenariat des filles pilotes. Le point numéro 1, c'est le projet de skatepark, enfin d'un parc urbain intégrant un skatepark, pardon, sur la friche qu'on nomme la Halle aux Choux, qui est juste en face du quartier QPV, mais finalement, c'est un quartier qu'on réfléchit plus globalement, comme le quartier du secteur gare. Donc, il y a un morceau en QPV, mais finalement, c'est tout le quartier gare qui réfléchit ensemble. Le point 2, c'est une cour d'école du QPV qui a été réaménagée, sur laquelle je reviendrai. Et le point 3, c'est finalement la nouvelle cour d'école sur laquelle on est en train de travailler et qui amène encore un niveau supérieur en termes d'ambition. Donc, ça, c'était pour vous aider un peu à vous repérer sur les différents éléments que je vais évoquer. Sur la démarche, c'est un peu ce que le CEREMA a indiqué, hein, c'est très transversal en fait le design actif, et du coup j'avais travaillé un petit peu ce schéma pour montrer un peu tout ce qui s'imbriquait, tout ce qui superposait quand on parle de design actif. Donc la flèche du milieu, c'est en effet ce partenariat qu'on a eu avec la NCT, avec l'accompagnement de Cité Service, donc qui est lié à la Cité du design de Saint-Étienne. Donc globalement, ça a été en octobre 2021, on a l'accompagnement qui s'est lancé. On a eu un atelier qui a permis de définir cet itinéraire. Et ensuite, on a eu une restitution au mois d'avril où Cité Service avait fait une proposition sur ces itinéraires. Globalement, au départ, on s'attendait vraiment à avoir des propositions très personnalisées sur les six territoires. Et finalement, on va dire qu'ils ont plutôt créé un catalogue de modules qu'ils ont proposé aux six communes. Donc, c'est finalement une réflexion que nous, on n'a pas mis en œuvre parce que ce n'était pas vraiment adapté par rapport au contexte patrimonial justement du territoire, parce que les couleurs notamment de Paris JO 2024, ça fonctionnait pas, etc. Mais disons qu'il y avait toute une réflexion qui pour le coup était intéressante, et c'est plutôt ça qui nous a inspiré. Excusez-moi,
Excusez-moi, juste, on a une question dans le chat qui est pour mettre le diapo en plein écran, si c'est possible. Excusez-moi de vous couper. Ah, je vais essayer. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Très bien, excusez-moi. Du coup, je disais oui, que c'est finalement plutôt la présentation et toute la réflexion qu'ils avaient, les concepts qu'ils avaient apportés, qui nous ont inspirés et qu'on a repris et retravaillés, on va dire, un peu à notre sauce. Donc ça, c'était finalement quand on a commencé à parler de design actif, c'est cette période-là. Mais un peu comme le CRMA l'a évoqué, on s'est rendu compte qu'en fait, du design actif, s'il y a des choses qu'on faisait un peu déjà ou qu'on n'avait pas mis les mots là-dessus, et notamment pourquoi on avait été, nous, retenus Saint-Omer, site pilote, c'était par rapport à toute la stratégie vélo et marche à pied qu'on avait sur le territoire. Donc, c'est pour ça que j'ai remis la flèche en haut. C'est finalement un peu le fil conducteur de plusieurs réflexions, mais que je n'ai pas développé parce que finalement, je pourrais passer un quart d'heure rien que sur ce sujet-là. Donc, plutôt autour du QPV, je me suis concentrée. Ce qui s'articule un peu autour de tout ça, bah déjà, c'est le réaménagement des espaces publics sur le secteur des quais. Donc, on parle du bas de la ville, donc avec une forte présence de l'eau. La première intervention qu'on avait eue sur ce secteur-là, c'était un aménagement d'aires de jeu avec un vélodrome et puis un espace partagé, potager pour les habitants. Donc, on va dire que c'était une première opération pour lancer déjà des premiers signes. Et puis, sur cette réflexion-là, lancement des diagnostics en 2020, la création d'une... Alors, avec une friche, en fait, on a abattu un bâtiment, ce qui a permis de créer une nouvelle venelle pour en fait rendre le secteur plus fluide en fait en termes de circulation piétonne. Donc ça, c'était septembre 2021 et en novembre 2022, on a lancé la maîtrise d'œuvre qui va vraiment réaménager tous les espaces publics existants. Et quand on a fait le comité de pilotage, vous voyez que la réflexion est encore récente, c'était en mars dernier. Finalement, ce passage a été créé et on débouchait sur une petite placette qui est à côté de cette aire de jeu de ce boulodrome. Et puis là, la proposition du bureau d'études, c'était on va faire une aire de jeu. On dit non, il y en a déjà une, etc. Et finalement, là, c'est là qu'on a vu que la question du design actif avait été intégrée maintenant sur le territoire parce qu'on s'est dit non, on peut faire autre chose. Et du coup, je pourrais réfléchir, ayant une ambition design actif sur ce secteur-là. Et du coup, là, on est en train de retravailler pour traduire ça et puis aussi avoir une approche plus générationnelle parce que là aussi, très souvent, le design actif, on va le traduire pour les enfants. Et nous, on a posé cette question notamment du comment le design actif peut apporter une réponse au vieillissement de la population, notamment. Donc ça, c'était côté en rue avec le réaménagement des espaces publics. À côté de ça, on a toute la stratégie de la ville sur les cours d'école. Donc, on a très plus globalement un plan nature et biodiversité pour revégétaliser l'espace public qui s'accompagne au départ d'une stratégie qui voulait rénover une cour d'école par an. Ça a été lancé donc à l'été 2020, on a eu la première cour où là, globalement, premier niveau d'intervention, on va replanter ce qui est déjà en pleine terre. Deuxième école qui est rénovée, donc c'est celle du quartier poétique de la ville. Là, on a une ambition végétalisation et désimperméisation. Donc là, on reprend vraiment tous les revêtements. On a ce travail-là, donc c'est la petite photo que vous avez sur le côté. Et donc là, disons qu'on commence à apporter les premières touches par rapport à l'activité physique, qu'est-ce qu'on peut venir apporter. Donc là, sur la petite photo, on ne voit pas forcément très bien parce que c'était un peu sec quand on a fait les photos. Mais déjà, on a réussi à amener une poutre d'équilibre. Donc là, on est sur un espace qui est en pleine terre, qui avant était interdit parce qu'on se salissait avec les chaussures, etc. Bon, en apportant du mobilier, on a incité les enseignants à pouvoir oser proposer d'aller dans cet espace-là. Et puis pareil, pour éviter de se salir et quand même avoir une activité, un espace plus grand. On ne voit pas très bien, mais on a des petits pas japonais qui permettent de traverser cet espace en restant au sec. Donc ça, on va dire, c'est la deuxième, c'est une cour d'école qui pour nous est un exemple maintenant en termes de désimperméisation, etc. Mais sur le design actif et l'activité physique, on pouvait encore aller plus loin. Et du coup, là, c'est une autre cour d'école, donc qui n'est pas dans le QPV, mais qui est aussi dans une école également en REP+, avec aussi des problématiques sociales qu'on peut rencontrer. Et du coup, celle-là, on a l'objectif de végétalisation, l'objectif de désimperméisation, et on est venu rajouter l'objectif de design actif avec une très forte concertation sur laquelle je reviendrai juste après.
Désolée, je vous interromps encore une fois. Apparemment, le diapo ne défile pas pour nous. Mais c'est normal, je suis sur la même diapo pour expliquer. Ça n'a pas bougé ? Ok, ouais, okay super. Excusez-moi, allez-y. Pas de soucis. Et ensuite, finalement, le dernier sujet qu'on peut un peu superposer, c'est cette réflexion de skatepark qui est en face du quartier politique de la ville, mais qui est intégré finalement à la vie de quartier. Donc là, le lancement des réflexions, c'est on a la friche de la Courfrette à côté de la gare, sur lequel on lance une étude pour avoir un projet d'habitat et de tertiaire. Un peu parallèlement, il y a une réflexion lancée par la ville pour revoir la question du skatepark, qui est un engagement dans la campagne municipale. Et puis, au cours de la concertation, donc l'espace actuel du skatepark, qui est très vétuste, etc., il est dans le jardin public, donc à l'opposé de la ville. Et en fait, finalement, l'emplacement plébiscité par les jeunes concertés, c'est d'aller sur le secteur de la gare. Donc, on acte ça, on l'intègre dans l'étude, etc. Et là, du coup, c'est fin 2022, on a rédigé le cahier des charges pour lancer ce parc urbain, avec une volonté justement que le quartier va mettre du temps à s'aménager. Et la volonté de la ville, c'est vraiment que les espaces publics, finalement, soient le premier signe d'aménagement de ce quartier et donnent envie aux habitants de venir habiter dans ce secteur-là. Donc, une très forte ambition de la ville sur la mise en œuvre de ce secteur-là. D'où le fait que voilà, les démarches sont déjà en cours, alors que sur le projet d'aménagement, on est encore dans les phases de définition de procédure, etc. Et comme la ville s'est engagée en 2019 dans un concours européen qui s'appelle Europan, qui est un concours d'architectes et d'urbanistes avec des villes pilotes et puis ensuite des candidats qui répondent, on a sollicité finalement nos trois lauréats de ce concours pour faire cette maîtrise d'œuvre. Et donc là, on a eu deux réponses des candidats sur les trois qu'on est en train d'analyser. Et donc là, pareil, ça va pouvoir se mettre en œuvre assez rapidement. Je voulais aussi rebondir tout à l'heure par rapport à ce que j'entendais sur le CEREMA avec le lien avec la marche, etc. Et c'est vrai que du coup, ce parcours de design actif qui avait été dessiné par Cité Service, pour l'instant, on ne l'a pas traduit concrètement sur le territoire. Mais finalement, c'est l'appel à projet de l'ADEME qui vient d'être lancé sur la marche à pied. Ça va être l'occasion pour nous de toutes nos réflexions sur le design actif. Là, on est en train de faire le dossier de candidature et c'est ce qui va nous permettre de concrétiser les projets. Parce que finalement, comme c'est des petites interventions, eh ben, on ne trouve pas de financement. Donc finalement, ça peut être un frein parfois parce que justement, on n'est pas sur un équipement sportif, on est sur de la pratique physique avec des marquages ou du petit mobilier. Et du coup, on trouve très peu de sources de financement. Donc ce qui peut amener finalement un frein dans la mise en œuvre. Et du coup, là, c'est vrai que l'appel à projet marche du quotidien de l'ADEME va nous aider à avancer là-dessus. Donc, je change de diapo pour arriver justement sur l'un de ces projets. Donc là, on est sur la troisième cour d'école que j'évoquais, donc celle où on a mis le plus d'ambition aujourd'hui, donc qui est la cour d'école de Condorcet, qui intègre en fait les abords. Et notamment, on a tout l'espace au sud qui est les abords d'une maison de quartier. Et donc, on a mené plus de 17 heures de concertation sur ce secteur-là pour vraiment aller à la rencontre de tout le monde. Donc, vous voyez, on a le bâtiment scolaire, donc on a rencontré les élèves de chaque classe, de chaque niveau, donc de la maternelle jusqu'à, je crois, le CM1. On a rencontré également les parents d'élèves, donc à l'entrée de l'école et également les parents d'élèves qui sont dans le conseil d'école. On a le bâtiment des associations à côté, donc là aussi, on a rencontré chaque association. Et on a la maison de quartier, et du coup, à la maison de quartier, on a rencontré à la fois les enfants qui fréquentent la maison de quartier, les adultes qui fréquentent la maison de quartier, et le conseil de quartier, qui est l'instance citoyenne des représentants des habitants du quartier. Et c'est aussi une école sur laquelle on avait un objectif supplémentaire, c'est qu'elle allait intégrer une classe émotis, qui sont des élèves avec des troubles autistiques. Et du coup, on voulait également que la cour d'école intègre ça. Donc, je ne vais pas trop insister sur l'intérieur de la cour d'école parce que je crois que ça fait l'objet d'un autre webinaire. Du coup, j'ai plutôt évoqué peut-être les abords. Vous avez la zone bleue. Là, c'était l'idée de proposer un parcours alternatif. Donc, on a le trottoir classique, on va dire, sur lequel les parents peuvent rester. Et on avait un espace en herbe avec un petit muret. Et là, du coup, on a proposé de récupérer cet espace-là et de proposer un parcours alternatif avec des...
des morceaux de bois pour monter dessus, des cornes, des choses comme ça. Donc ça, c'est l'idée d'avoir un parcours un peu plus physique, une alternative au cheminement trottoir. Si on prend les abords de la maison de quartier, là aussi, si on fait le lien un peu avec les problématiques qu'on peut rencontrer en politique de la ville, on avait un city-stade dans cet espace-là et en fait, tout le monde voulait le fermer le soir pour ne plus y aller parce que mal fréquenté, etc. Et du coup, nous, finalement, on a trouvé une solution, c'est-à-dire plutôt que de fermer le site pour chercher à qu'on pense être le sécuriser et qu'on sait que de toute façon, ça va passer au-dessus, c'était plutôt finalement de sécuriser les espaces qu'on veut absolument garder. Donc, notamment, c'était la problématique de trouver des seringues, des choses comme ça. Et du coup, c'est plutôt un périmètre de sécurité autour de la maison de quartier qu'on a créé plutôt que de fermer l'ensemble du site. Et ça, quand on avait vu ça pendant la concertation, c'est la piste s'est dégagée pendant la concertation, les élus sont venus nous voir et nous disent « mais vous venez de régler un problème, ça fait 10 ans qu'on en parle, etc. » L'autre sujet qu'on avait avec le City Stand, c'était l'approche non genrée. Parce qu'on sait que très souvent, le City Stand, c'est majoritairement utilisé par les garçons. Et quand on avait eu la concertation du coup, avec ceux qui fréquentent la maison de quartier, on n'avait eu que des filles. Et du coup, on en avait profité pour se connaître un peu leurs usages. Et en effet, elles ne s'en servaient pas, etc. Et on avait beaucoup de difficultés à trouver du coup, ce qu'elles voulaient. Et c'est là qu'on a pu rebondir finalement sur l'accompagnement de Cité Service avec la NCT. Donc, ce qu'elles nous ont évoqué, c'est TikTok, c'est de regarder la danse, etc. Et du coup, Cité Service avait fait le lien avec Paris JO 2024. Je crois que c'est le drag dance qui intègre les disciplines. Et du coup, ils avaient proposé un module de danse avec une piste et un miroir, etc. Et finalement, quand on a évoqué ces sujets-là, on s'est dit, on va créer un espace un peu culture urbaine autour du City Stead qui intègre la danse, les sports urbains, etc. Donc, c'est venu un peu, c'est un peu comme ça que ce secteur-là s'est construit. Et puis, plus largement, c'est de créer des cheminements sur l'ensemble du site pour offrir un parcours à faire à pied ou à vélo. Et le deuxième projet, c'est donc le skatepark. Là, vous voyez le projet finalement urbain qui est prévu avec l'habitat et l'activité économique. Et finalement, on a cet espace vert là, qui a été réservé pour justement intégrer le skatepark qui est le long de l'Eurovéloroute que je vous ai remis en photo. Et la vue en dessous, c'est justement sur cet espace-là où c'est celui qui est le moins dessiné. Finalement, les espaces publics, c'est ce qu'on a le plus de mal à dessiner en général dans les projets urbains. Et c'est pour ça que du coup, on a lancé une maîtrise d'œuvre. Mais l'esprit qui est un peu recherché, c'est l'image de référence que j'ai mis sur le côté. On a la proximité de l'eau, on a cette Eurovéloroute qui est aussi un signe fort pour le quartier. Et du coup, d'avoir un vrai skatepark avec les bols, notamment pour avoir une nouvelle pratique. Et pour finir aussi, par rapport à cette approche non genrée, c'est aussi pour ça que le skatepark finalement a été intéressant. C'est que dans la concertation, on a vu une vraie manifestation des filles aussi sur ce sujet-là, parce que ça ouvre les disciplines. En fait, sur l'ancien skatepark, on a tendance à avoir plutôt du BMX. Et là, on commençait à amener plutôt la trottinette, le skateboard, etc. Et du coup, on voyait que grâce au skatepark, on allait s'adresser à une population plus large. J'ai essayé de tenir le timing et du coup, je ne suis pas rentrée dans tous les détails, mais je répondrai aux questions sur le chat. Merci beaucoup, Eugénie. Effectivement, vous pouvez utiliser le chat hein, si vous souhaitez poser vos questions et que les intervenants, les experts puissent aussi interagir via le chat. On va du coup passer peut-être à la deuxième intervention, le deuxième témoignage. Donc, nous avons l'intervention d'Alexandre Picard, qui est au service des sports de la ville de Rennes, une ville qui appartient à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, au cœur du bassin minier, avec aussi de nombreux enjeux en matière de santé, avec un territoire aussi avec de nombreux atouts aussi en termes d'espace public, d'espace vert. Et donc, votre témoignage va être assez intéressant et même complémentaire puisque vous avez aussi une mobilisation forte de la collectivité en faveur de l'activité physique avec de nombreux quartiers prioritaires où vous avez aussi cherché avant tout et surtout à mobiliser les premiers concernés. Et voilà, les différents intervenants l'ont rappelé, la question de l'analyse des besoins, des usages,
au cœur des espaces publics qui sont libres, qui sont aussi qui peuvent être pensés aussi au service de la population, des plus jeunes, mais aussi des familles, et qui visent à peut-être à penser des espaces plus mixtes aussi, qui sont aussi des enjeux au cœur pas que des quartiers prioritaires, mais qu'ils sont aussi. Donc, Alexandre, on va vous laisser évoquer aussi toute cette démarche de consultation, d'accompagnement de la population et des différentes réalisations que vous avez pu mettre en place au sein de la ville de Rennes et des quelques quartiers prioritaires. Voilà, je vous laisse dérouler et partager votre expérience. Merci. Donc bonjour tout le monde. Donc moi, oui, je vais vous expliquer un peu comment on va vers les habitants pour pouvoir aménager les quartiers et favoriser l'activité physique, de toucher le plus grand nombre, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les seniors. Enfin voilà, de vraiment proposer des zones intergées sur la collectivité. Et je vais vous montrer aussi les différents projets, les différents types d'événements qu'on met en place pour amener la population à pratiquer de l'activité physique. Donc déjà, premier point, je vais vous présenter un peu la commune. Donc Rennes, comme ça a été dit, commune de la CAPH qui se situe entre Saint-Amand et Valenciennes. C'est une commune qui compte un peu moins de 13 000 habitants et dont un de ses principaux atouts, c'est qu'on a une forêt de 3 000 hectares sur notre territoire. Et elle recouvre les deux tiers de la surface de la commune. Donc, on a vraiment un espace de jeu, un espace vert, un poumon vert à proximité. Ensuite, par rapport au type de population, on a donc sur les 12 000 et quelques habitants, on en a 3 008 qui vivent en quartier prioritaire et tout le reste, c'est dans les quartiers de veille. Donc avec toutes les problématiques et les éloignements que ça peut amener par rapport au sport ou autre chose, enfin par rapport à l'activité physique et autres thématiques. Donc on a un taux de pauvreté assez élevé de 29% et 44% pour les moins de 30 ans. Et on a 32 déménages fiscaux qui sont imposés sur notre commune. Donc, comme ça a été dit, REM organisé en quartier, elle en compte 6. Ça, c'est l'histoire minière, c'est issu de l'histoire minière de la ville. Donc, il y a le quartier du centre-ville, le quartier du Petit Paris, Vicoigne, Arambert, Sabatier et La Grange. D'autres atouts, on a un parc de loisirs, un parc nature et loisirs qui est géré par l'Office du tourisme de la communauté d'agglo, de la CAPH. Et on a une cité minière qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le quartier Sabatier. Donc comment est née la démarche d'aller vers les habitants et de développer cette activité physique? En fait, depuis 2017, Rennes s'est engagé dans un projet de ville à 15 ans. C'est pour essence de faire passer Rennes d'une ville industrielle du 20e siècle, industrielle et minière, à une ville en transition du 21e siècle. Donc c'est ce projet de ville qui est le fil conducteur de toutes nos actions et ça se place autour du développement durable, ça s'attache à l'identité de la commune, à l'attractivité, à la culture et au cadre de vie. Pour nous accompagner, la ville s'est dotée d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour réaliser de la démocratie participative sur tous les projets qu'on peut mettre en place. L'idée, c'est de mobiliser le plus de monde possible et de la meilleure façon qu'il soit les différents acteurs de la démocratie participative en fonction de chaque projet. Et dans le dernier programme électoral, la municipalité a souhaité intégrer le thème de la santé au cœur du programme. Donc voilà, c'est en s'appuyant sur tous ces éléments qu'on cherche à développer l'activité physique sur la commune. Alors, donc l'idée, comme je l'ai dit, c'est d'aller vers les habitants, de recueillir les besoins, de définir les usages, les attentes et de faciliter la construction et l'appropriation de tous les projets par le plus grand nombre. Donc dans le cadre de l'aménagement des cadres de vie, et pour répondre aux habitants, on met en place des réunions
dans les différents quartiers de la ville. Et c'est par ce moyen qu'ont émergé des attentes en termes d'espaces sportifs ou de zones de loisirs et sportifs intergénérationnels. Donc ça fait 3-4 ans maintenant qu'on travaille dans ce sens-là. On essaye de sortir, d'aller vers un quartier à la fois et de sortir une structure, d'avoir un aménagement par an avec les contraintes budgétaires qu'on a. C'est un peu compliqué pour nous d'aller plus vite que ça. Mais en gros, voilà, on sort un équipement par an depuis 3 ou 4 ans, quoi. On est dans la quatrième année. Donc, une fois que les besoins ont été identifiés, on construit la totalité du projet avec les habitants. C'est-à-dire qu'on leur donne l'enveloppe budgétaire qu'on a à leur disposition. Et de là, on fait émerger les besoins en discutant avec eux, savoir ce qu'ils veulent retrouver en termes d'équipement sportif et où ils veulent que ça soit implanté aussi au sein du quartier, histoire que ce soit bien identifié et rassembleur pour le plus grand nombre. Et après, on choisit les structures ensemble et derrière, on leur donne un calendrier prévisionnel et le calendrier d'exécution des différentes phases. Donc, le double enjeu par rapport à ça, c'est d'avoir le coût réel par les habitants qui se rendent un peu compte aussi de la réalité financière de ce que ça peut coûter pour une collectivité d'implanter un équipement sur son territoire. Ça montre aussi le chemin administratif qu'on doit parcourir pour pouvoir suivre toutes les étapes avant que ce soit sorti de terre. Et après, forcément, l'appropriation du site par les habitants pour que l'équipement vive. Donc là, on est sur la quatrième année. Donc ça veut dire qu'il y a 3 projets qui ont vu le jour depuis ces dernières années. Le tout premier projet qui est sorti, c'est un parc de street workout qui est sorti de la tête de jeunes du quartier de Sabatier. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez le voir. Hop. Non. Il est là. Hop. Ok, c'est pas ça, où est-ce qu'il est? Ok, voilà. Donc là, le parc de street workout, donc qui est sorti de. Voilà, sont des jeunes lors d'une réunion, ils sont venus voir, nous, voilà, on voudrait mettre en place une structure qui n'existe pas sur la commune. On est nombreux à vouloir pratiquer. Comment ? Je ne vois pas votre photo. Il n'est pas dessus ? Non. Est-ce que vous avez bien partagé ? Ouais. Ouais, ouais. Il est là. Non. On va la refaire. Donc ça, ok, autorisé. Là, c'est bon ? Vous voyez ? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, en nous demandant de créer une structure qui n'existait pas sur la commune. Et donc, on a dit, banco, on y va. Donc, c'était notre première phase, notre première façon de travailler comme ça, la première fois qu'on travaillait comme ça. Et on a construit le projet de A à Z avec eux, on les a accompagnés. Et donc, c'est cette structure qui est sortie de terre, au cœur du quartier de Sabatier, dans un parc, à côté du boulodrome. Et au fond, on a des terrains de pétanque extérieurs, et à côté, on a un boulodrome intérieur qui est là. Donc ça crée aussi une zone intergénérationnelle puisqu'il y a pas mal de pratiquants qui viennent et suite à ça c'est une structure qui est reconnue assez largement sur le territoire puisqu'on a des gens de l'extérieur de la ville qui viennent et même des pratiquants de la ville de Lille qui viennent jusque chez nous pour pratiquer l'activité street workout sur notre structure. Donc là pour le coup ça a vraiment été une réussite et ça vit très très bien. On a des jeunes ados, jeunes adultes qui sont là et qui utilisent ce site. Deuxième année, on a sorti un parc intergénérationnel sur le quartier de la
grange. Donc là, c'est avec un groupe d'habitants voilà, il y avait un parc au milieu où il n'y avait rien, au milieu de leur quartier. Ils nous ont demandé de venir créer une zone ludique et sportive pour tous. Donc on a une partie avec jeux pour enfants et une partie avec un peu plus sportive, quelques adrets de street et des agrès fitness qui sont autour, à proximité des jeux, pour que les parents puissent pratiquer pendant que les enfants jouent. Ensuite, troisième projet, donc l'année dernière, c'est sur le quartier du 19 mars. On a une zone loisirs et sportive qui est sortie. On va la faire en deux phases. Donc la première phase est sortie l'année dernière. La deuxième phase est lancée. On va la sortir cette année. Elle est prévue pour cette année. Et donc là, ça a été conçu avec et les habitants, adultes, et les jeunes. Donc pour la première phase, on s'est appuyé sur le témoignage des parents et des jeunes enfants qui n'avaient pas de lieu de rencontre, qui n'avaient pas de lieu d'évolution en fait au sein du quartier. Et donc même chose, on a sorti avec eux, on a répondu, ils nous ont bien identifié leurs besoins, donc il fallait une aire de jeu pour enfants et ils avaient besoin, ils nous ont demandé aussi des agrès sportifs autour du site pour pouvoir pratiquer pendant que les enfants jouent. Donc on a trois modules, un vélo elliptique, un bike et un rameur sur le territoire, sur ça. Et à chaque fois, on essaye de mettre des agrès connectés, un peu où les gens peuvent venir brancher leur téléphone. Donc là, ça leur permet de le recharger par le mouvement ou d'avoir des applis pour qu'ils puissent avoir un petit programme d'entraînement à suivre sur ces équipements-là. La deuxième phase du projet au 19 mars, là, elle concerne, donc elle a démarré cette année et elle concerne les ados et jeunes adultes. Donc ce sera même chose, une zone de loisirs et sportive qui sera agrémentée aussi de tables et de bancs pour qu'il y ait vraiment que ce soit vraiment un lieu de rassemblement et bien identifié au sein du quartier et qui vive avec tout type de population et qui puisse regrouper tous les âges sur ce lieu dédié, quoi. Donc voilà, donc à chaque fois, pour les trois sites que je vous ai présentés, à chaque fois on a un excellent retour, forcément, puisqu'il s'est construit avec les habitants et c'est donc des lieux qui vivent vraiment toute l'année. C'est pas uniquement sur l'été, c'est pas uniquement que sur un type de population. Cela, on a, comme ça a été dit tout à l'heure, on a vraiment réussi à proposer des lieux qui rassemblent la population, des lieux totems sur le quartier qui rassemblent tout type de population et qui permettent de créer de la convivialité et des échanges entre habitants. L'idée également, quand on fonctionne comme ça, c'est d'avoir un peu un équipement propre à chaque quartier, c'est-à-dire qu'on ne va pas reproduire la même chose sur chaque quartier, puisqu'on a aussi pour logique de vouloir un peu casser cette identité de quartier pour retrouver l'identité ville. Donc ceux qui veulent pratiquer du street workout, il y a un terrain sur le quartier de Sabatier, ils se déplacent jusqu'au quartier de Sabatier. Ceux qui veulent des aires de jeu ou des trucs un peu plus posés avec de la pétanque, ils se déplacent dans d'autres quartiers pour qu'on arrive à créer cette mixité de population et avoir cette identité ville et inciter les gens à sortir de leur quartier également. C'est un peu, nous on rencontre vraiment ce type de difficulté chez nous, c'est que les gens résident dans leur quartier avant de résider à Rennes. Quoi. Et on est, voilà, donc ça favorise aussi le déplacement de populations au sein de la collectivité. Quoi. Sandre, on va devoir écourter le timing, sinon Nicolas, notre intervenant et grand témoin, ne pourra pas interagir, puisque du coup, malheureusement, il a un train à prendre. Alors, je sais qu'on n'a pas abordé beaucoup de choses extrêmement intéressantes sur le programme global aussi qui est en train de se mettre en place vis-à-vis aussi de la liaison entre les cours d'école et les espaces de loisirs et sportifs. Ouais. Mais avec le dossier thématique qui sera publié à l'issue, nous aurons l'occasion d'aller beaucoup plus loin sur votre démarche. Peut-être laisser la parole à Nicolas
Pena, qui est du coup sociologue, qui a aussi beaucoup travaillé sur les territoires de Roubaix et qui va un peu dézoomer et donner son regard sur l'ensemble de ces initiatives en faveur de l'activité physique au sens global du terme. Excusez-nous pour le retard et du coup, voilà. Je suis désolé, je vais devoir faire vraiment très très vite, sinon j'ai vraiment raté mon train. Je suis vraiment désolé, je vais essayer d'aller au plus vite sur les différents éléments. Alors, parmi les choses qui ont été dites et puis auxquelles j'avais déjà un petit peu pensé, sur lesquelles j'ai travaillé, la question de l'équipement, ça a été évoqué à plusieurs reprises, hein, la nécessité de le co-construire pour qu'il cadre avec les demandes des populations, ça je vous apprends rien. Simplement, il ne suffit pas de le décréter pour que ça fonctionne. Et je suis désolé, hein, il y a en plus du bruit derrière moi. Et ça nécessite de mettre en place vraiment des dispositifs d'accès au public, en particulier les publics qui sont les moins audibles, ce qu'on appelle fréquemment les invisibles et qui ne sont pas pour rien. Le terme, il n'est pas galvaudé pour le coup. Donc, ça rend extrêmement difficile le fait d'aller chercher l'information auprès de ceux qui, finalement, sont les plus éloignés de l'activité physique et sont aussi les plus éloignés de tout un ensemble d'institutions. S'adresser au public en pensant que ça va permettre de répondre de la façon la plus efficace et la plus opportune à leurs demandes, c'est aussi prendre le risque de cibler un type de population et d'en oublier d'autres. La question de la pratique des filles et des femmes a été évoquée. En quartier prioritaire, c'est l'exemple qui est le plus parlant, qu'on connaît tous très bien, pour plein de raisons. Et qui pose, je crois, des problèmes spécifiques quand on s'intéresse à la question du design actif, parce que ça pose avant tout la question des usages sociaux des espaces urbains. L'usage de l'espace est beaucoup plus contraint, beaucoup plus compliqué pour les filles que pour les garçons, pour les femmes que pour les hommes. Et si on se réfère à la littérature, hein, je pense au travail d'Hancock, mais il y en a plein d'autres, hein, Rebaud, Coutras, qui montrent que, particulièrement les quartiers prioritaires, il y a des formes de pression qui s'exercent sur les femmes, des formes de contraintes spécifiques qui s'exercent sur les femmes et qui rendent l'accès à l'espace public encore plus compliqué. Donc, ça veut dire encore qu'il ne suffit pas de dire on va mettre en place un équipement qui est une demande pour qu'on réussisse effectivement à cibler la population qu'on vise. Mais je pense que, là aussi, ça a été évoqué, construire, essayer de co-construire, c'est aussi une façon de favoriser une appropriation par les habitants de l'aménagement, et donc de favoriser son usage, et aussi d'en favoriser, parce que ça fait partie des préoccupations souvent des pouvoirs publics, à mon avis, la question est souvent mal posée, mais ça c'est un autre débat, la question de préservation de l'entretien de l'équipement. Souvent, moi j'ai entendu dans mes différents travaux, oui mais on met en place un truc, oui mais il est détérioré. Je crois que quand un équipement de centre-ville est détérioré, on se dit c'est très bien, il est utilisé, donc on va le reconstruire, il a tout lieu d'être à cet endroit-là. Et quand il s'agit du quartier prioritaire, on a plutôt tendance à considérer que c'est parce que les populations ne le respectent pas et l'abîment. À mon avis, il y a aussi un biais de jugement là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, la préservation de l'aménagement ou de l'équipement passe aussi par l'appropriation par les populations de l'équipement. Je pense que c'est très important. Et puis, ça a aussi été évoqué... Là encore, excusez-moi, je vais très vite, mais j'ai envoyé aussi référence au site, comme ça, ça m'a dit de me présenter, et vous pourrez, j'espère, prendre les informations. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, et je discuterai tout ça avec grand plaisir avec vous, plus longuement et plus en détail. Mais ça a été évoqué dans le chat. Il ne faut pas non plus que ce type d'aménagement qui trouve tout son sens soit aussi un espèce de substitut à faible coût ou à moindre coût d'équipements sportifs structurants qui sont aussi absolument nécessaires. Je pense qu'il y a une complémentarité parce qu'on ne cible pas les mêmes publics, on ne touche pas les mêmes formes de pratiques. Quand on est sur des équipements plus traditionnels, on est aussi sur des formes de rapport à l'activité physique qui sont plus traditionnelles, qui ont toute leur place, mais qui ne sont pas les seules. Donc, il y a vraiment, je crois, une forme de complémentarité, mais il ne faudrait pas que ce design actif soit mis à la place d'eux. Et puis, je terminerai là-dessus, ne doit surtout pas non plus combler un déficit d'engagement humain, de ressources humaines. Parce que l'engagement dans l'activité physique, particulièrement pour les populations qui en sont le plus éloignées, nécessite qu'on mobilise des leviers multiples et complexes. C'est-à-dire que l'équipement à lui seul, l'équipement ne peut pas rien, c'est ce qu'on disait, mais l'équipement ne peut pas tout. Donc, ça ne peut pas, il ne faut pas imaginer que parce qu'il y a un aménagement qui est séduisant, qui est innovant, qui est attrayant, et je reviens sur la question de l'innovation, l'innovation nécessite aussi parfois qu'on fasse des choix qui ne résultent pas de la demande immédiate des populations. Il faut faire la demande, mais je crois qu'il y a ensuite un travail d'analyse de la demande pour voir comment répondre à la demande. Sinon, on fait des city-stades pour les garçons qu'on entend le plus fort partout. Et on est dans une forme de répétition de choses qui rend service, qui compte, qui pèse,
mais qui n'est peut-être pas suffisant. Mais donc, je reviens là-dessus, surtout pas imaginer que ça peut combler l'encadrement, les ressources humaines, les éducatrices, les éducateurs, qui sont le levier majeur pour aller chercher les populations, pour les mettre dans une dynamique d'activité physique, et surtout, ça a été évoqué aussi, pour que cette dynamique d'activité physique soit pérenne. Parce que c'est bien ça aussi l'un des enjeux majeurs, qu'il y ait une espèce de culture physique, de culture sportive qui s'installe, notamment ici, hein, on le sait, là aussi ça a été évoqué, pour des populations qui en sont les plus éloignées. Et vraiment, je termine là-dessus, parce que je vais recourir derrière mon train, mais parce que peut-être aussi, et c'est l'objet d'un article que j'ai écrit dans une revue qui s'appelle « Jurisport » il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a un déficit infrastructurel et associatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les populations de quartiers prioritaires de la politique de la ville soient plus sédentaires que les autres. Et je pense qu'il y a un risque, au contraire, à renvoyer à ces populations la responsabilité de leur prétendue sédentarité, en oubliant que là, plus qu'ailleurs, les conditions d'accès sont contrariées. C'est-à-dire que, et je le dis souvent, de façon très étonnante, je ne sais pas si on s'en étonne encore, mais là où les populations ont le plus de difficultés, parce qu'il y a des contraintes qui sont spécifiques, parce qu'il y a des ressources qui sont moins importantes, le plus de difficultés à accéder à l'activité physique, c'est aussi là que les conditions d'accès sont les plus compliquées. Donc on a une espèce de double peine qu'évidemment, le design actif à lui seul ne peut pas solutionner. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus qu'on dise, ben vous voyez, hein, message qu'on envoie régulièrement en politique de la ville, ben vous voyez, ça ne marche pas. Ben non, ben ça ne marche pas, alors mettez plus de moyens. Ben non, ça ne marche pas, donc on va arrêter les moyens. Comme si on disait, ben vous voyez, le design actif, ben, il y a quand même encore des gens qui ne font pas d'activité physique, hein, donc on ne va plus faire de design actif. Ben non, faisons peut-être plus de design actif, mettons plus de moyens sur les équipements, sur l'accompagnement, sur une... Et alors là, peut-être qu'on pourra observer des modifications durables et notables dans le rapport à l'activité physique en quartier prioritaire de la politique de la ville. Voilà, je suis vraiment désolé, j'ai fait ça au plus vite, à la mitraillette, et je dois vous abandonner très rapidement. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, je vous invite, surtout n'hésitez pas à nous solliciter si jamais vous avez besoin. Ça marche. C'était très clair, Nicolas. Merci beaucoup pour votre regard vraiment très intéressant et aussi complémentaire. Bien évidemment, voilà, vous l'avez compris, hein, ce qui ressort aussi de ce webinaire, c'est aussi d'impulser un regard qui est autre, mais qui ne remplace pas ce que disait bien sûr Nicolas sur la question des équipements structurants, chose que avait déjà pointé l'ONPV. Et qui ne remplace pas du tout non plus tout l'investissement des acteurs sociaux sportifs, des acteurs du mouvement sportif dans les quartiers prioritaires et autres politiques publiques qui pourraient contribuer. Et ça, je pense que c'est aussi des éléments essentiels que l'ensemble des acteurs de la politique de la ville ont en tête. Mais voilà, peut-être voir cette perspective du design actif comme quelque chose de complémentaire, d'une opportunité aussi pour mettre en cohérence tous les efforts d'un territoire. Et on voit bien, on n'a pas pu tout aborder. Hein. Nicolas n'avait pas eu le temps d'aborder notamment la mobilisation du public féminin sur la définition des besoins. Et c'est une véritable question sur les usages aussi qu'impliquent ces espaces et sur la mobilisation, effectivement, sur aussi les matériaux, sur la sécurisation de ces espaces, sur la mise aussi à disposition qui favorise par exemple l'activité physique des filles, que ce soit la lumière ou la présence de toilettes publiques, par exemple. Donc voilà, ça pose un certain nombre aussi de questions. Ce format est assez court et on ne peut pas répondre à tous les enjeux, mais on espère qu'on a pu vous donner en tout cas quelques prismes de réflexion et que vous pourrez prendre un certain nombre d'éléments pour vos réflexions au cœur de vos territoires. Avant de vous quitter, peut-être je laisse la parole à Inès pour vous présenter les deux prochains temps forts qui seront sous ce même modèle. Et je lui laisse la parole pour que vous puissiez aussi vous inscrire. Oui, alors les liens d'inscription dans le chat pour les deux prochains événements donc, de ce cycle de webinaire. On a mardi prochain, mardi 20 juin, un webinaire qui approfondira la question de l'activité physique des enfants et des adolescents et de comment on peut influer sur tout un tas de leviers pour parvenir à développer cette activité physique, notamment en quartier prioritaire. Le dernier des webinaires de ce cycle sera le 27 juin. Il abordera du coup plutôt la question des mobilités, des écomobilités. On s'attardera sur la pratique du vélo
et sur les moyens de développer cette pratique auprès des populations qui en sont éloignées, notamment les femmes, et les femmes en quartier prioritaire encore plus. Et pourtant, ces mobilités, la pratique du vélo et les écomobilités en général peuvent vraiment représenter un moyen d'émancipation en termes de déplacement dans la ville et hors des quartiers. Donc voilà, ça sera un webinaire qui sera constitué d'un apport scientifique de Clément Duzong, qui est l'auteur d'une thèse sur la pratique du vélo en banlieue parisienne, et ça sera complété par des retours d'expérience d'associations qui développent la pratique du vélo en QPV. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et on reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup à l'ensemble des intervenants. Merci beaucoup et à très vite.